soldat la lutte militante, c'est nous les reines, nous morcelles. La lutte n'est pas bien facile. Dans les années 30, Maurice Anko est une colonie britannique dans un monde dominé par une tension dans relations internationales. Et 4 années plus tard, deuxième guerre mondiale éclatée. Dans la colonie Maurice, c'est une période marquée par la douleur, la souffrance, la misère. Dans Caro, dans l'usine, descendant esclaves et coulis trimés pour 2-3 roupies, alors qu'il malheureusement a fait ravage dans le pays. Malgré tous efforts depuis visite Mahatma Gandhi en 1901, qui tient envoyé Manila Docteur en 1907, pouvoir colonial, et que l'oligarchie maintenait son exploitation inhumaine des man travailleurs. 1936, le docteur Maurice Curé commence à mobiliser la classe travailleuse et qui fait un premier meeting le 23 février dans Champ des Mors. Se revendique un représentant travailleur dans le conseil législatif et 3 fiers syndicats. Parti travailliste prend naissance à l'eau comme un parti pour défendre travailleur. Anctil, Curé, Pandit Sadeo fait l'étour au pays pour mobiliser la classe travailleuse pour réclamer de meilleures conditions de travail. Août 1937, travailleurs descendent le coltan, l'établissement Union Flac, patron tient coup de balle, 10 ans coulés. Le 1er mai 1938, Dr Curé rassemblait 35 000 travailleurs pour la première fois pour célébrer fête du travail dans Champ des Mors. Travailler à travers un pays, lève la tête pour réclamer meilleures conditions de la vie. Témoignage de Madame Lorraine Domingue, petite-fille de Dr Maurice Curé. Mais c'était le peuple était pour lui. Et c'est de là où il y avait tellement de misère, c'est là où il décide de former ce qu'ils appelaient une société de bienfaisance. Une année après qu'il rencontre Anctil. Anctil était retourné d'Angleterre et avait appris que mon père avait fondé un parti, il est venu voir mon père. Et comme en Angleterre, il avait travaillé pour les trade unions, c'est tout. Donc à ce moment-là, il est rentré dans le parti avec mon père et donc ils ont été un peu plus en avant. Et c'est de là où l'idée de dire qu'il faut absolument que le peuple puisse voter. Pour lui, c'était que le peuple ait le droit de voter et qu'on les aide. Parce qu'à ce moment-là, le peuple n'avait aucun droit. La grève éclatait dans Doc en septembre 1938 et que pouvoir colonial servit répression, mettre l'état d'urgence, Curé gagne house arrest et qu'Anctil déporté vers Rodrigue. Petit travailliste à Zénou. Mais travailleur, il finit comprend. Sans l'unité, pas pour innocentement. Deuxième guerre mondiale éclatée en 1939 et que situation vint plus difficile dans le pays. Mais pouvoir colonial continuait de défendre juste l'intérêt de l'oligarchie. 1943, nouveau soulèvement travailleur. Et 10 ans coulé encore une fois. Anjali, une madame enceinte, perdit la vie dans Bellevue à Rennes. Conscience des classes finit par racine dans la classe travaillère. Après la guerre, colonie Maurice gagne une nouvelle constitution. Et tout le monde qui connaît lire et qui écrit une phrase dans n'importe qui neuf langues qui peut servir dans le pays gagne un droit à voter. Électorat sorti 2% de population, livine 38%. Mais malheureusement dans la politique, démocratisation man strictière amène une ethnicisation, man enjeu avec l'émergence mass politics. Man parti politique servi ethnic politics. Communaliste lève la tête. 6 phrases universelles. En dimoun, en vote. Introduit en 1959. Mais déjà la population maurice bien divisée. Une attention communale entre hindous et créoles en 1965. Et bagarre communale éclatée entre créoles et musulmans en janvier 1968, 3 mois avant l'indépendance. Un pays déchiré par la haine communale, à Zénou, à cause de crise économique et sociale avec Somaz. Les pépines perdent tout espoir. C'est à ce moment crucial de l'histoire de nos pays qui MMM prend naissance. Une nouvelle génération banzen mauricien lève la tête. Pour inventer un vaccin contre virus communal, pour qu'il nous pays pas réveiller sa ban événement dramatique comme en 1965 et 1968. Jamais ça encore. Vinalo, les qui combat des ban militants MMM. MMM prend sur la source depuis Club des étudiants en 1968, qui par la suite vint Club des étudiants militants. Un petit groupe étudiant qui se et réfléchit sur l'avenir Maurice. Sa priorité, l'unité nationale et développement pays et reconnaissance d'une langue nationale
créole mauricien. Se descendre au terrain, faire causerie, faire débat, pour mobiliser travailler avec la jeunesse. Mais gouvernement travailliste servir répression avec la police, CID, perquisition, interdiction de manifestation et arrestation de militants pour essayer de casser les reins à groupe jeunesse. Maurice Tiffinger sur l'indépendance. Mais tu commandes un pied banane dans le cyclone. Une société fragile. Une économie qui est dominée par une ancienne puissance coloniale qui contrôle tout un secteur essentiel. Pour dénoncer sa capitaliste coloniale là, club étudiant militant fait une manifestation au rond-point Saint-Jean en septembre 1969. À l'occasion, visite la princesse Alexandra et son mari, qui tient gros actionnaire dans plusieurs établissements de Maurice. La police sortie, coup de matraque et 18 militants arrêtés. Sa manifestation là, l'acte fondateur des mouvements militants mauriciens. Club étudiant militant vine MMM avec ce ban structure, ce constitution, ce code membre. MMM prend naissance pour remplacer la lutte des races par la lutte des classes et reprend flambeau la lutte post-travailliste de Dr Curé, Anctil et Pandit Sadeo. MMM fait sa priorité d'une unité les peuples maurice pour qu'ils disent en communal jamais encore sur la terre maurice et pour tiers mauricien depuis sous-développement et quand même progrès dans le pays. Ce symbole est l'équerre. Ce couleur, mauve. MMM commence les meetings dans quatre coins maurice et lance la gazette. Le militant, le 17 décembre 1969. Il y a eu une déviation. C'est pourquoi il s'est retourné quand vers Béranger. Comme je vous dis, il voyait que Béranger continuait le travail que lui, il avait commencé. C'est la première fois que Béranger se présentait à une élection. Mais après, comme je vous dis, c'est après sa mort que j'ai réalisé qu'il correspondait avec Béranger, parce que j'ai vu des brouillons de lettres et j'ai vu des reçus de lettres enregistrés à Béranger. C'est comme ça que j'ai su qu'il avait une grande admiration pour Béranger. Gouvernement post-travailliste avec PMSD viole démocratie. Amende constitution pour renvoyer l'élection générale. Partout que vous êtes passé, ban militant MMM attire la foule par ce langage nouveau, cette analyse politique et économique. Ce ban nouveau l'idée pour amener progrès et développement pour tout du monde et consolider l'unité nationale. MMM engage lui activement dans la lutte syndicale pour défendre ban droit ban travailleurs et mettre du but General Workers Federation, GWF. La flamme la lutte syndicale reprend, pareil comme en 1936, et gagne la grève dans le secteur édité, dans l'usine, dans CEB, et commence qu'il y a une branche MMM partout dans le pays. Pour bloc monter MMM, gouvernement, coalition, parti travailliste PMSD, met l'état d'urgence et interdit meeting pour une période de 3 mois, à partir du 1er mai 1970. Parti travailliste et PMSD prolonge l'interdiction meeting. MMM décide pour défier sa interdiction-là. MMM fait un meeting dans son démarche en août. 4000 dimouns présents. Et que la police arrête Paul Béranger pour lui pas capable de causer. La police servit gaz lacrymogène, matraque et lycien loup pour disperser sa foule. La police logue Paul Béranger le 19 août. Gouvernement parti travailliste PMSD montrer ce vrai visage antidémocratique et que faire perquisition, code ban militant et que faire arrestation. Le 21 septembre, gagne une élection partielle dans Triolet Pamplemousse. Et qu'MMM met candidature David Rassoumi. Campagne bat plein, avec beaucoup de militants et de travailleurs. La veille élection, ban tapé agresse Paul Béranger et ban militant devant municipalité pour lui. Et que je tire coup de balle, la police arrête Paul Béranger et Farid Matar. Et qu'a qu'il jette tentative d'assassinat. Jour élection, Paul Béranger dans prison. Et quand résultat tombé, David Rassoumi fin remporte 72% vote. Et lui fin bat candidat travailliste pour plus que 5000 voix. Ban sympathisant MMM manifesté dans Rosilek pour lui. Et que la police oblige et libère Paul Béranger. À soir, la police tire coup de balle. Et qu'un garçon 6 ans, Marcelino Bell, perdit la vie. L'unité ban travailleur amène un premier résultat. Ziz Ramphol impose reconnaissance syndicat et brise zèle salaire. Gouvernement parti travailliste PMSD réalise que MMM peut venir un parti politique faux et qui est un soutien à la classe travailleuse. Je décide pour dire sur répression. Cette même public order act, POE,
pour empêcher MMM faire ce ban activité et mettre son ciel au lagazet de militants. Le 7 octobre, Farid Mata perdit la vie à la suite d'un mystérieux accident d'auto. Et quelques semaines plus tard, le 25 novembre, ban tapé fait un attentat contre Paul Bérance et Dokier Pip. Azo Adelaide, un camarade Dokier, perdit la vie. Bal rate Paul Bérance des prêts et que tout brûle sur l'auto. En décembre, Ram Goulam décrète l'état d'urgence. Et 4 jours plus tard, la police met scellé l'eau la gazette Le Militant. Janvier 1972, répression battait plein l'eau ban militant même. 20 militants, dont Paul Bérance emprisonné. Zot passe presque une bonne année dans Kassou, sans procès. L'idée à l'eau pour ban militant même. Qui la lutte pour démocratie, la justice, pour demande beaucoup sacrifice, beaucoup courage. Soldat la lutte militant, c'est nous les reines, nous morcer. La lutte n'est pas bien facile, jamais pas vu ça fatigué. L'ennemi partout peut bouger, pas vu ça nous paie pour avancer. Dans la lutte, paie la récompense. Si la vérité nous sincère. Le ou pas cimetière ou à guetter, pas l'homme du sang qui coulait. Tonton Azo Adelaide, Farid Mata peut reposer. Dans la lutte, combien finale? Pas connaît combien pour tomber. Ça même la telle île Maurice, comment tiens maman peut souffrir. La voix maman demander sacrifice les pépis à faire. Quand même pas non pour danser. Quand même physique pour santé. Soldat la lutte militant, c'est à nous les reines, nous morcer. Combien cyclone pour venir, pas laisse nous la tête à le baisser. Soldat la lutte militant, soldat la lutte militant, soldat la lutte militant. Mai 1975, étudiants, sommaires, jeunesse, levés pour dénoncer inégalité dans le système d'éducation. La grève porte tout dans le collège. Rayeux de service, gaz, lacrymogène, violence, répression, l'eau pour Grande Rivière. La jeunesse prend conscience au rôle, comment la fausse transformation. Élection générale 1976, une seule cause fait les tours Maurice. MMM, Balier Carreau. Petit travailliste donne l'éducation gratis comme en bribe électoral la veille élection. 30 candidats MMM élus et gagne 4 best losers. 7 ans après sa naissance, MMM vit plus grand parti politique grâce à la force, la jeunesse et travailler. À partir de 1977, MMM amène un grand changement dans ma municipalité et commence décommunalise pour. La lutte continue. La grève de la faim en 1979. Paul Bérance et les autres camarades font la grève de la faim pendant 11 jours pour réclamer réintégration des travailleurs licenciés pendant la grève et reconnaissance syndicale laboureur et cotisant. Répression avec Riot Unit, SMF bat plein. Gouvernement signe l'accord, mais pas respecter ses paroles. La grève de la faim encore une fois en 1981. Cyclone, sacrifice, coup de matraque. Répression, censure, prison. Tout ça, la lutte là, parti dans vide. Les 11 juin 1982, les peuples Maurice, levés comme une seule du monde. Travailleurs, femmes, sénés, tontons, tantines, 60-0. Les peuples balier carreau. Donnez une correction à petit travailliste et que cela allié PMSD. Jamais sans démos fin trouve autant du monde. Jamais courant fin passe autant en tant que parti politique et que les peuples. L'espoir est net. Un nouveau passe d'histoire commence à écrire. Gouvernement MMM PSM fait un grand pas pour démocratie. Amende constitution pour garantir élection chaque 5 ans. Et rétablit élection partielle. Mais malheureusement, ben l'ennemi les peuples préfèrent cette cabale. Mais 10e division. Cassir 1983.
MMM continue sur la lutte, avec même courage contre Banaz en division, pour l'unité, la justice, la démocratie. Élection 1983-87, l'alliance bleu-blanc-rouge, Patikon Koulé et l'arc-en-ciel. ENA Développement, mais en division. L'injustice et l'immoralité, trafiquant la drogue, Amsterdam Buzz roule gouvernement. 1990, famille militante réunie. MMM et KMSM prend gouvernement dans l'élection 1991. L'entente pas durée, mais MMM réussit faire Maurice Francis ce dernier étape dans ce décolonisation. Maurice Vinen République, et président prend place gouverneur général. Navin Ramgoulam tient 9 chars leaders de l'opposition. Jack Nat convoque Paul Mans au Dipoudimé pour faire Navin Ramgoulam perdre sa place député. Fidèle à ce bon principe, Paul Béranzé lève sur la voie pour dénoncer sa complot-là. La cour trouvait qu'il y a un colorable device et Ramgoulam regagne ce siège député. 1995, l'Alliance Parti Travailliste MMM, deuxième 60-0 dans l'histoire pays. Mais Ramgoulam pas respecté programme gouvernemental et dirige pays en badinage. 1999, émettre dans pays après l'amour Kaya. Pendant 72 heures, Maurice Peina gouvernement. Dimoun perdit la vie avec balle la police. Rapport Matadine plus tard vient établir la vérité de sa complot contre la nation mauricienne quand MSM et MMM prend pouvoir en 2000. 2000-2005, jamais Maurice Fingang gouvernement aussi stable. Jamais Fingang gouvernement qui finit faire autant de développement dans un mandat. Développement partout, divan ou la pote, pour tout du monde. Premier ministre, ministre, député, travail, travail. 36 nouveaux collèges construits, 47 000 nouveaux emplois, nouveaux secteurs pour l'économie. ICT dans nouveau la ville ébène, Seafood Hub, IRS démocratise l'information avec radio privée. Amène un combat pour faire la pauvreté disparaître. Paul Béranger vient premier ministre en septembre 2003. Maurice fait un grand pas avant même Barack Obama dans l'Amérique. Les peuples Maurice reconnaissent que tout du monde égal au latin Maurice, qui chacun est dans le même sens, qui méritocratie plus faux, qui communaliste. Depuis 2005, MMM peut continuer sur la lutte pour consolider la démocratie et l'unité nationale, et peut dénoncer fraude, corruption, qui peut pourrir nos pays. L'IP prépare pour la prochaine élection générale avec une équipe renouvelée. Beaucoup zen, beaucoup madame. Pour son anniversaire 40 ans, MMM envie célébrer avec l'IP Maurice se passer et envie construire l'avenir et nous pays avec et pour l'IP Maurice. Personne pas propriété à nous destin. Personne pas propriété à nous vote. Si ou, moi, nous envie. Nous capables transformer nos pays. Nous capables de créer encore une fois un nouveau.